Monsieur Crapouli, je t'ai retrouvé, mon héros télé préféré, mon meilleur ami d'enfance, Crapouli. Bonjour, petit, je t'aime beaucoup. Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou. Je te retrouve comme dans mon souvenir. Comme c'est mignon! Une petite nounours qui parle. Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes. Mais t'es nul, laisse-moi tranquille! J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bouffonneries, ouais mon gars. Moi je travaille sur un projet scientifique top secret. Un projet scientifique top secret? Ouais. Un projet de biorobotique. Tout est là-dedans. Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle. Un projet de la plus haute importance. Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité. Place à l'intelligence! Oui, tu vas revivre, Crapouli. Tu vas revivre. Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido, tu vas revivre. Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs. Alors, docteur génie des peluches, ça avance? Il en est où l'avenir de l'humanité? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration. Tu vois ce fauteuil? C'était celui de Bill Gates. Gates comme poulie, Bill comme système. Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde. C'est Bill ma taille, trop fort. T'es coincé. Et maintenant, je vais être bien tranquille. Le moment est venu de ramener ce cher crapouli à la vie. Oh, énergie cosmique, donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Crapouli! L'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là. Hey, Roz! Il a craqué, il est retombé en enfance. N'importe quoi. Hey, oh, Rasmo, oh, hey, ha. Hey, on va se faire une virée au rat-board, ça te fera du bien, viens. Pas maintenant. Wow, comment il a changé, lui. Allez, Crapouli, fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire. Maintenant que les enfants passages sont partis, je peux continuer. Oui, encore, regarde, regarde. Très bien, mais avant, voici une pause publicité. Non! Tut-tut. C'est nul! Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je peux savoir ce que tu magouilles, monsieur crapuleux? Depuis quand les peluches enregistrent au dictaphone? Il se passe des choses bizarres ici. Eh oui, monsieur Crapouli est de retour, les petits enfants. Hey, Raz, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone. Je l'ai pris en plein délire. Rapido, dehors. Va-t'en. Dégage, va jouer avec tes jouets à toi. T'inquiète, fabriquer un crapouli à ton image. Chou, bah dis donc, je l'ai échappé belle. Laisse-nous tranquille, fiche le camp. Allez, vas-y, Crapouli, continue. Encore, 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 fais-moi marrer. Bah, une dernière danse pour les petits amis. Danse avec moi, petit ami. Ouais.
purée, pourvu qu'on ait leur régal. Les enfants adorent mes céréales. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Rasmo. Alpha Beta, nounours bleu, dans une demi-heure. C'est parfait. Et tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr. Oui, oui, mais pas de fuite, hein. Faut surtout pas que mon... Il ne faut pas que quoi? Je m'appelle Monsieur Crapouli, je suis joli et gentil. J'aime bien manger du riz, je suis Crapouli. Et ça, qu'est-ce que c'est? À qui tu téléphonais? Et les petits enfants sont mes amis. Arrête de te payer ma tête. Attends, non, non, mais c'est pas ce que tu crois. Pour qui tu travailles? Voilà, j'ai un petit coup de fatigue, moi. J'irai bien dormir, là. Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi. Pasco! Mais crie pas! Tu vas réveiller bébé Rasmo. Dis donc, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes. Ah oui, et dis donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher. T'inquiète pas, c'est des secousses, allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire. Et qu'est-ce que tu veux que je te danse? Un truc comme ça? Ou un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux, Rasmo? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité. Et moi je danse et je ris et je fais jamais pipi. D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris, alors on va tous les deux jouer au malin. Crapouli, réponds-moi, Crapouli. Ah, non, je ne veux pas mourir. Arrête. Oh, ce monde est cruel. Oh, adieu. D'accord, je vais parler. D'accord, t'as gagné. Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt. Alors, vas-y, je t'écoute. Ok, j'avoue, j'ai joué à la comédie, mais c'était pour bien faire, hein. Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision. Le petit poussé dans l'arène avec Michael J. Fox et Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devra pas tarder à arriver. Ah, tiens, les voilà. Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille maintenant, vieux, hein. Je te laisse le soin de prévenir Rasmo. Il va me manquer, le petit, tu sais. Il a gardé son âme d'enfant, là. L'âme de Monsieur Crapouli, tu sais, comme on aime. Allez, salut, mon beau. Et bonjour à ta maman pour moi. Allez, à ciao. Hey, attends. Mais reviens. Mais moi aussi, je veux faire de la télé. Moi aussi, je sais faire des imitations. Je sais faire le cochon. Rapido, t'as pas vu Crapouli? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood sans même me proposer un rôle. Comment tu veux dire que t'es parti à Hollywood? C'est-à-dire Crapouli à Hollywood, mais il n'y a rien à faire là-bas? Crapouli, il est parti, ça me dira au revoir. Crapouli, pourquoi es-tu parti? Ça me dira au revoir. Je comprends que tu déprimes, dis donc, ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul. Oh, le type que tu regardes, c'est fou, t'as remarqué à quel point il te ressemble? Génial, comme ça, on sera deux à se ressembler. Bon, donne-moi la télécommande que je change maintenant. Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance, Rasmo! Ben, et moi alors, il parle pas de moi? C'est normal, c'est parce que c'est moi l'oncle adoptif. Rigolo. Crapouli, il est revenu! Rasmo, repose tout de suite cette télé! T'es mon Crapouli, à moi! Non, t'es hors de question! Il est à moi, Crapouli!